De vidéos à la demande et en commentaire, je vous demande de me laisser des suggestions et je m'exécute. Alors, j'ai reçu un commentaire d'une dame qui me suit depuis un certain nombre d'années et qui me dit: la Terma, j'aimerais quand même que tu parles de nous, les femmes en transition. Nous sommes des femmes qui avons utilisé des produits éclaircissants. Nous sommes en pleine transition cutanée et nous sommes un peu perdues. Est-ce que tu peux nous aider dans ces moments difficiles? Et moi, je lui ai répondu en lui disant que, effectivement, je parle des femmes qui sont décapées la peau. Je parle de l'accompagnement, hein, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour retrouver leur belle peau. Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé des femmes en transition. Alors, ben nous allons parler des femmes en transition. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans le monde de la Terma. Je suis la Terma, pharmacienne de profession et blogueuse, passionnée de cosmétiques et de beauté depuis un certain nombre d'années. J'incite la femme noire à garder sa couleur de peau. Je lutte énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau et je demande à toutes nos belles femmes black de conserver leur teint d'origine. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est la phase la plus compliquée. Alors, avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai décidé de faire des vidéos bien sûr en français, mais de mettre des écrits en anglais. Pour cela, je demande votre aide sous la barre de cette vidéo. Je vais mettre le lien. Vous cliquez sur le lien et vous n'avez juste qu'à traduire mes paroles en français. YouTube va vous guider et vous aurez des petits carrés qui vont correspondre à mes paroles en français et vous les traduirez en anglais. Ainsi, pour des personnes qui ne comprennent pas le français, dès qu'elles vont cliquer sur ma vidéo, on leur dira texte aussi en anglais et elles pourront écouter mes conseils. Je pense que c'est important. Bon, voilà. C'est ce que je tenais à dire. Et aussi, pensez à suivre mes vidéos en 720p. Vous cliquez sur les trois petits boutons et vous choisissez 720p. Ainsi, vous aurez une meilleure qualité visuelle du vidéo. Voilà. Alors, nous allons continuer. Nous allons parler de transition. Beaucoup de femmes m'écrivent et me disent: la Terma, je suis en transition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis dépigmenté la peau pendant un certain nombre d'années et j'ai décidé d'arrêter. Je suis dans la phase mi-peau noire, mi-peau claire. Je suis au milieu. Et c'est la phase la plus difficile. La peau n'est plus claire, la peau n'est plus noire, la peau se trouve vraiment au milieu. La couleur de la peau et entre mi-noir et mi-blanc. C'est vrai que ce n'est pas très joli. Je reconnais que ce n'est pas très joli parce que c'est à cette période-là que tous les effets secondaires apparaissent. Une fois que vous avez arrêté les produits éclaircissants, surtout ceux qui contiennent des corticoïdes et de l'hydroquinone, vous avez tous les effets secondaires qui vont apparaître. C'est-à-dire, vous allez avoir des selles qui vont apparaître, vous allez avoir des boutons, vous allez avoir des taches, des démangeaisons. Moi, je dis toujours que la peau se venge. La peau réclame ses droits. Vous l'avez torturée pendant de nombreuses années, pendant de nombreux mois, pendant de nombreuses semaines, et maintenant elle réclame son dû
elle se venge. Il faut savoir que quand vous empruntez la chose d'autrui, il faut la rendre. Et quand vous la rendez, il y a des intérêts. Et les intérêts, ça fait toujours mal. Parce qu'on rend plus que ce qu'on a pris. Et c'est normal. Alors, côté dépendance volontaire de la peau, c'est la même chose. Vous avez emprunté une peau qui ne vous appartient pas. Vous devez la rendre, mais ce n'est pas sans dégâts. Alors, tout ce que moi je peux vous dire, c'est vraiment de tenir bon. C'est une période très difficile. C'est pour ça que beaucoup de femmes n'osent pas arrêter. C'est une période très difficile. On se sent moche. On se sent insulté parce que quand on arrête de se décaper, on a la peau qui va noircir énormément. Et l'entourage ne va pas comprendre. L'entourage va vous dire, « Oh, tiens, c'est bizarre. Tu n'as plus d'argent. C'est pour ça que tu as arrêté le jeûne ensemble. » Alors que ça n'a rien à voir. « Ah, ta peau, elle est bizarre. Pourquoi ta peau est noire comme ça ?»« Ah, ta peau, elle est bizarre. Pourquoi il y a des taches? Pourquoi il y a des boutons ?» Tu as été claire et bizarrement, tu deviens brune. Et ce sont en fait des questions auxquelles vous n'êtes pas préparé. C'est pour ça que la dame a dit, « Maman, est-ce que tu peux nous parler de la peau en transition ?» Nous sommes en transition, mais nous sommes perdus. Non, ne soyez pas perdus. Ne soyez pas perdus. Moi, tout ce que je dis et tout ce que j'ai toujours dit au travers de tous mes réseaux sociaux, c'est de ne pas écouter les autres. Quand vous avez décidé de vous décaper, vous avez écouté les autres. Et maintenant que vous décidez d'arrêter, vous ne devez plus écouter les autres. Parce que si vous écoutez les autres, vous allez arrêter. Vous ne serez plus motivé. Et vous allez arrêter cette envie d'arrêter. C'est-à-dire que vous allez recommencer à vous décaper. Parce que vous en aurez marre tous les jours d'entendre les critiques, d'essuyer les critiques, les remarques, les insultes. Quand vous allez même sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous ouvrez peut-être un groupe Facebook. Oh, on est en train de vous insulter. Oh, celle-là, elle est moche. Comment elle a fait le jeûne sans qu'il l'a envoyé. Maintenant, elle a arrêté. C'est bien fait pour extra. Vous allez tout entendre. Et pour ça, il faudra être préparé psychologiquement. Mais je dis toujours que la femme qui arrête la dépendance volontaire de la peau est déjà très courageuse. Je vous assure, très courageuse. Parce que ce n'est pas facile. Ne vous attendez pas à ce que je dis non, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Ce sera difficile. Donc, toi qui veux arrêter, dis-toi bien que ce sera difficile. Non seulement ce sera difficile psychologiquement, mais financièrement, tu devras y mettre le paquet. Ce n'est pas des histoires de 1000 francs CFA, de 5 euros. C'est de l'argent. Il faudra des laits, il faudra des crèmes, il faudra des huiles végétales. Il faudra des crèmes solaires, des laits solaires. Et il faudra un mental d'acier. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous dire que c'est facile, les filles. Ça ne va pas être facile. Je vous assure, ça ne va pas être facile. Il faut vous accrocher. Il faut prendre soin de vous. Il faut avoir un mental d'acier. Il faut faire fi de toutes les insultes. Ça ne sert à rien. On va toujours vous insulter. Donc, il faut que ça rentre d'un côté et ça sorte de l'autre. Ça, c'est obligé. Sinon, vous allez craquer. Quand vous vous levez le matin, même si vous avez une tache, parce que vous allez vous lever un matin, vous allez vous rendre compte que votre visage a trop noirci, c'est pas grave. Protégez-vous du soleil, c'est très important. Hydratez votre peau, c'est très important. Et ne tenez pas compte des insultes. Ne tenez pas compte des insultes. Laissez-les de côté. Les gens qui vous insultent sont des gens qui n'ont pas d'arguments. Moi, je dis toujours que les gens qui insultent sont des gens qui n'ont pas d'arguments. Il est préférable de vous demander qu'est-ce qui se passe avec ta peau que de vous insulter. Et ceux qui insultent ne sont des gens qui n'ont aucun argument dans la tête. C'est pour ça que je dis de ne pas les écouter. Ça va prendre du temps. La transition peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an. Ça dépend des produits que vous avez utilisés. Ça dépend de la durée pendant laquelle vous avez utilisé ces produits. Pour quelqu'un qui a utilisé les produits pendant 10 ans, ça va prendre plus de temps que pour quelqu'un qui a utilisé les produits pendant 3 mois ou 4 mois. Parce que les effets secondaires ne seront pas les mêmes. Et seront peut-être moins importants d'une femme à l'autre. Donc, ne vous découragez pas. Mettez-vous dans la tête que ce que vous faites est bien. Pour le moment, les gens ne le voient pas. Mais plus tard, ils le verront. Et on ne fait pas quelque chose pour l'autre, on fait quelque chose pour soi. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Quand on se fait belle, c'est d'abord pour soi-même. Il ne faut pas se faire belle pour les autres, parce que là, vous aurez des problèmes. Il faut éviter de tenir compte de la vie des autres quand on veut se faire plaisir. La dépendance volontaire de la peau, c'est un fléau, c'est une maladie, c'est une gangrène de notre société africaine. Alors, quand tu veux t'en sortir, c'est un beau geste.
Un beau geste que parfois la personne d'en face ne comprend pas. Mais ce n'est pas grave. Si toi, tu as compris, c'est ça qui est important. Alors, si tu es en cette phase de transition, cette vidéo est la tienne. Sois forte. Et moi, je suis là pour t'accompagner. N'hésite pas à me contacter. Mon numéro WhatsApp, je ne peux pas le mettre en vidéo, mais à la demande, je te le donne et on se contacte sur WhatsApp vidéo. Franchement, beaucoup de courage à vous les femmes. Beaucoup de courage à toutes ces femmes qui, au sein de la caravane, se sont dévoilées. Certes, les histoires sont douloureuses, les histoires sont tristes, certaines sont même tragiques, mais elles ont la force de se dévoiler à visage découvert. Et ça, c'est très rare. Parce qu'en général, les femmes qui se dépigmentent la peau, sur les réseaux sociaux, elles se cachent. Parce qu'elles ont peur des insultes, elles ont peur des attaques. Mais là, elles nous dévoilent leur visage. Avant, après, avant, pendant. Je me suis dépigmentée parce que si, parce que ça. Voilà ma peau. Et souvent, c'est des peaux qui sont abîmées. Ce sont des peaux agonisantes. Mais ce sont des braves femmes. Ce sont des femmes qui ont dit la terme, je veux m'en sortir. Alors, n'hésite pas à aller nous retrouver dans la caravane de la terme. C'est vraiment un groupe fermé Facebook dans lequel on va t'aider. On va te soutenir, on ne va pas te juger, on ne va pas te critiquer. Je n'arrête pas de le dire. Nous, nous ne critiquons pas, nous ne jugeons pas. Nous aidons, nous soutenons et nous accompagnons. Et c'est mon rôle en tant que pharmacienne. Et dans ce groupe, j'apprends aux femmes à sensibiliser. J'apprends aux femmes à parler, à expliquer, à se faire écouter, à se faire entendre. De manière simple et pas de manière insultante. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, hein, c'est important. Facebook, YouTube bien sûr, mon blog, Instagram. Et sur Facebook aussi, en plus de la page, j'ai un groupe fermé, la caravane de la Terma. Et si tu veux adhérer à notre association basée au Cameroun, tu me le dis en commentaire et je te contacte en te communiquant mon numéro WhatsApp. Je vous fais plein de bisous et je vous dis beaucoup de courage. Vous savez, l'être humain n'est pas parfait. On apprend des autres. Même le plus petit que vous peut vous apprendre des choses, peut vous apporter des choses. J'ai énormément, énormément, énormément appris grâce à vous. J'ai appris que la vie, c'est un ensemble d'énigmes qu'on a parfois du mal à résoudre. Et la DV, c'est aussi une énigme qui, j'espère, trouvera une solution. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous dis beaucoup de courage. Ciao, ciao.